Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un VST instrument que j'apprécie tout particulièrement. C'est la version 2 de Sparkle par Ujam. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers différents éditeurs de VST et plugins boutiques pour pouvoir acheter vos VST et banques de sang tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour le travail accompli, il y a un lien PayPal dans la description. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations par rapport au Sparkle 2, il vous suffit d'aller sur le www.ujam.com. Vous allez arriver sur ce site. Ensuite, vous cliquez sur Plugin. Vous allez dans Guitariste et là, vous allez avoir le Sparkle 2. Donc en fait, le Sparkle 2, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un guitariste virtuel qui va fonctionner au format VST, VST3, AAU2, AAX et vous allez pouvoir déclencher des phrases, que ça soit des phrases rythmiques, mélodiques au niveau guitare avec tout ce qui est key switch et articulation. On peut faire des choses vraiment très complètes. Ils ont rajouté des effets, c'est-à-dire que dessus, on va avoir une partie des effets du finisher pour affiner le son. Ils ont rajouté 30 pédales d'effet que l'on peut mettre dessus avec un bouton Amount pour doser l'effet. Ils ont rajouté un stéréo ease, un bouton de focus, un bouton de tuning, le bouton variance. Bref, par rapport à la version 1, il est beaucoup plus complet et on peut faire vraiment pas mal de choses. Comme d'habitude, on va avoir les différents styles de phrases que l'on peut déclencher. Et au niveau des presets, on va avoir un rangement par catégorie qui va être assez complet. Ça va aller de la pop, indie rock, funky. Bref, il y a largement de quoi faire si vous cherchez un guitariste virtuel. Vous retrouverez le VST sur le site de Plugin Boutique. Vous aurez un lien affilié directement dans la description si vous souhaitez l'acheter sur Plugin Boutique si vous avez un compte. Et vous avez aussi l'update pour passer de la version 1 à la version 2 qui est à 49€. Donc franchement, passez le cap, c'est vraiment un excellent VST avec un très bon grain de son. On peut faire pas mal de choses avec, de vraiment stylé. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans une petite session Studio One que j'ai préparée pour l'occasion de la découverte de Sparkle. J'ai créé des samples mélodiques qui vont donner ceci. Après, j'ai une petite partie batterie qui a été faite avec un autre VST de chez Ujam qui est Deep. Donc là, c'est un batteur virtuel cette fois. Et ensuite, on a le Sparkle. Donc là, au niveau de la piste du Sparkle, j'ai simplement posé les accords. Donc le VST rejoue directement les accords. J'ai pas mis les articulations puisqu'on va découvrir un peu le soft ensemble et ses possibilités. Donc déjà, on va faire un petit tour de l'interface du VST. Donc tout en haut ici, vous allez avoir la factory preset, donc qui va être rangée par catégorie. Il y a une partie introduction, pop, indie, alternative, funk, rock, électronique, pad. Donc il y a largement de quoi faire dans chaque catégorie. Il y a quand même pas mal de presets. Ensuite, en dessous, on va avoir les réglages de guitare ici. Donc fat, soft, bite,
Swang. Donc là, on va être par rapport à comment on joue par rapport aux manches, quoi. Ensuite, on a un bouton tune, un bouton de variance. Le stomp ici, ça va être pour toutes les pédales d'effet qui ont été rajoutées directement. Donc on peut soit l'éteindre, soit le mettre en fonction. Et ensuite, on a un bouton amount pour pouvoir gérer l'effet qu'on a mis. Ensuite, on va avoir le finisher avec différents presets, les ambiances, et pareil, son bouton amount et son bouton on-off, un stereoise, le focus, donc ça, on va voir pendant les essais, un bouton drive, et ensuite, on va avoir différents types d'ampli, donc soit on va être en direct, en clean, cream, crunch, crispy, crush. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut faire pas mal de types de sons différents. Ensuite, ici, on va avoir la partie instrument, c'est-à-dire qu'en fait, là, on va pouvoir déclencher. Directement des notes. Et ensuite, on va avoir les différentes articulations qu'on peut déclencher directement à partir de notre clavier. Bien sûr, on peut aussi déclencher des accords. Il suffit de mettre l'accord sur ON, de choisir la gamme, et ça va nous lancer les accords qu'on a envie. Donc ça, c'est pour la partie instrument, comme si on avait un VST de guitare traditionnelle. Quand on revient sur la partie player, on va avoir la partie lecture des notes que vous avez dans votre piano roll. Donc ça peut être soit des mélodies, soit des accords. Et là, automatiquement, vu que j'ai un style de phrase qui a été sélectionné, ça va me jouer directement la phrase qui a été prédéfinie grâce au key switch. Ensuite, on va avoir des phrases communes, si on peut dire, pour pouvoir faire des intros, des breaks. C'est vraiment très bien fait. Ici, on va avoir différentes façons de jouer différentes. Et après, on va avoir la partie micro timing pour pouvoir jouer en x1, x2, divisé par 2, rajouter du swing, bref, humaniser le jeu pour avoir un jeu plus naturel. Donc c'est assez complet, ça marche hyper bien. Et juste ici, vous allez avoir tout simplement une petite revue, bon c'est en anglais, mais des différentes fonctions de la partie Common Phrase. Donc ça va fonctionner directement sur votre clavier maître à partir de la touche C0, donc jusqu'à C2 pour les commandes phrases, et ensuite de C2 jusqu'à C3, vous allez avoir les styles de phrases qui sont choisis directement ici. Vous avez un bouton stop, un bouton silence, et ensuite, bref, vous pouvez faire pas mal de choses, il faut combiner l'ensemble. Donc si par exemple, je lance la lecture là, je ressors de là.
Comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment pas mal. Après, au niveau des phrases, on va avoir, au niveau des presets, on va avoir pas mal de choses. Donc, par exemple, si je vais dans la funky,
voyez, on peut faire vraiment des choses très originales, très facilement. On va avoir pas mal de phrases dans différents styles. Après, bon, moi j'utilise pas mal tout ce qui est presets de funk, mais on va avoir aussi des presets rock, par exemple.
cette petite présentation de Sparkle qui va vraiment être plus orienté pop, funk. Vous allez avoir pas mal de bonnes sonorités pour du hip-hop, pour de la funk, pour de l'indie, pour faire de l'accompagnement, pour pouvoir caser ça dans vos prods. Ça peut rendre super bien. Ensuite, après, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les effets du finisher ou de la stompbox qu'on a sur le VST. Vous pouvez prendre vos propres effets de guitare. Après, tout est ouvert, il n'y a plus qu'à, mais vous avez le player avec un jeu qui est quand même relativement réaliste. Et petite cerise sur le gâteau, lorsque vous faites votre part, vous pouvez exporter la piste ou les événements MIDI comme vous en avez envie directement dans votre séquenceur pour pouvoir les retravailler en cliquant sur les petits boutons ici, juste au-dessus. Donc j'espère que cette petite présentation de Sparkle 2 de Ujam vous aura plu. Il a été bien amélioré par rapport à la version 1. Laissez-moi dans les commentaires si ce type de VST vous intéresse. C'est vraiment utile quand on est beatmaker ou claviériste d'avoir ce genre de petit VST pour ajouter une petite touche de guitare à l'intérieur, jouable directement au clavier. C'est hyper pratique et ça fait quand même relativement bien le taf. Donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut.